L'Union pour la démocratie et la paix, UDPCI, veut être un parti qui compte sur la scène politique ivoirienne. Des milliers de partisans étaient au rendez-vous du deuxième congrès ordinaire de l'UDPCI ouvert ce mercredi à Yamoussoukro. Ils se sont donnés pour objectif de faire le toilettage de la vie du parti. Albert Mabri-Touakeus a situé les enjeux de ces assises. C'est un congrès conjoint, le deuxième de l'UDPCI, ceux de la jeunesse et des femmes, doivent être pour nous l'occasion d'un nouveau départ. 12 ans après la création de l'UDPCI, des réaménagements sont donc indispensables pour adapter le parti à l'évolution des temps. Le thème choisi par le bureau politique pour notre congrès est d'ailleurs explicite. Construire une UDPCI forte pour bâtir la nation, la belle nation ivoirienne. Solidarité politique oblige, les délégations des partis politiques ivoiriens et africains fortement représentés ont félicité l'UDPCI pour la tenue de ce congrès, signe d'ouverture et de démocratie. Le deuxième congrès de la jeunesse de l'UDPCI et le premier congrès de l'Organisation des femmes du parti auront lieu lors de ces assises. Des conclusions des travaux découleront les projets de gouvernement du parti. Il sera aussi question de lire un nouveau président de l'UDPCI au cours des travaux.